Salut tout le monde, on se trouve pour un nouvel épisode, on est sur Manor Lord, on est attaqué, on va faire bouger nos troupes, qu'est-ce qui leur plaît pas eux? Cohésion. Cohésion, ok, je sais pas exactement à quoi ça correspond, cohésion. Pas assez de place en étable, où ça? Il me dit pas où à chaque fois. Donc là on est 6 sur 8, là on est 1 sur 4, et là on est à 22 sur 24. Donc je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort, on n'a pas assez de place en étable. Je vais bientôt en construire des de plus. Mais je n'y crois pas. Voilà. Maintenant tu vas arrêter de dire que... Alors là, il n'y a plus rien à faire, on est d'accord. Là, j'ai l'impression qu'ils ont labouré à la main. Maintenant, c'est le bœuf qui est en train de devenir. Enfin, il y a plein d'endroits où ils ont partiellement labouré à la main. Faudrait que je fasse encore plus de fermes pour être sûr d'avoir suffisamment de postes de laboureur. Faudrait une ferme par champ. Pas assez de ressources. Ah! Alors ça... Je m'y attendais pas. Faut dire, j'ai déplacé un bûcheron. Et je n'ai remis personne. Voilà. Je ne sais pas d'où va venir son armée. En tout cas, je sais où est la mienne. J'envoie du courrier. Je suis pas sûr que ça serve à quoi que ce soit. Mais bon. Mes armées, où sont-elles? Vous. Vous êtes encore... Ah non, vous êtes pas très loin. Vous. Vous n'êtes pas très loin. On se bat pour quelle région déjà? Ah, ça. Tac, tac. On se bat pour Ensho. Où est le champ de bataille? Ici? Ok. Alors, hop, hop. Hop. Ah oui, donc si vous êtes très loin, vous encore. Et mes archers. Ta 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 ta. Où sont-ils? Ici. Venez par là. Hop, c'est parti. Mais j'ai pas recruté eux, je pourrais les recruter. Hop. Pas besoin de courir. Ralentir. J'aimerais vous dire vous d'accélérer. J'ai pas très envie de me battre sans les mercenaires. Et après, vu qu'on a suffisamment d'influence, on ira se battre pour une région à lui. Est-ce qu'on a de la pause par là? Ah, la bataille commence. Et la porte, si jamais il vient de par là, ça a pas l'air d'être trop le cas. On va quand même mettre les soldats devant. Moi, pour moi, la situation idéale, c'est j'ai mes archers par là et lui, il arrive de par là. Sauf que ça n'arrivera pas trop. Je suis en train d'arriver de par là. On a eux qui speed, ça va nous aider. J'aimerais bien vous voir là. Si ça risque de pas trop marcher. Ok, on va se mettre devant. Ah, ils sont fatigués. Arrêtez de courir alors. Les archers. Venez par là les archers. La lisière de la forêt. On va les séparer d'ailleurs. Ah, qu'est-ce qu'elle fait?
Ok, super pour toi d'attache, c'est bien. Alors, vite, stoppez-les. Accélérez les gars. Voilà, vous tirez dans le dos. Vous, venez les protéger. Vous, par là. Vous, par là. Finalement, c'est en train d'arriver. Hop, venez leur tirer dessus. Vous pouvez tirer d'ici. Ok, très bien. Alors, il y en a qui reculent. Ici, ils ont carrément décroché. Ah, j'arrête pas de cliquer. Des zones où il faut pas. Alors vous, vous n'avez pas vision. Eh bien, avancez. Vous êtes protégé par eux. Avancez par là et après tirez sur eux. Là vous n'avez pas vision, c'est pas grave, avancez. Venez nous aider. Ouh. Attaquez. Là ça se bat. Là vous avez vision, non? Eux pour l'instant ils sont pas très efficaces. Ok, on les a suffisamment effrayés. Là on bouge. Allez, décrochez et allez attaquer, je vous prie. Là on les a à peu près battus. Allez, rush mes archers. Les archers courent. Éviter. Ok, restez là. Ah ouais, c'est mieux, c'est parti. Alors tirez sur eux, c'est bon. Vous pourrez jouer. Tentez de les choper. Il y a des archers qui traînaient vachement loin. Quand vous n'avez pas vision, bougez par là. Vous pouvez tirer là en cloche. Ils sont pas très efficaces, ils sont fatigués. Je leur ai dit de s'enfuir aussi. Pourquoi vous éloignez-vous quand je vous dis de tirer? Vous pensez que vous tirez mieux d'ici? Hop, ça charge dans leur dos. Et là, tout d'un coup, ils sont efficaces à 1%. On peut dire qu'on les a tellement encerclés. Vous n'avez pas vision, viens tirer sur eux. Comme toujours, il s'enfuit avec son archer. 1%, 46, 53. Bon, et vous pouvez sûrement pas beaucoup tirer. J'ai 4 unités pour les poursuivre. Vous pouvez tirer, vous là? Pas été terriblement efficace, mais bon. Alors, ouais, arrêtez de courir, vous aussi. Sinon, vous allez trop fatiguer. C'est déjà pas très efficace. Les archers, ils ont pas l'air de vouloir bouger. Nouvelle missive. Ah oui, donc, terminer la conversation. M'en fiche de ton avis. On va pas essuyer trop de pertes. On va se positionner par là et envahir la région d'à côté. Ah, j'ai des unités qui ont... Celle-là, elle a bien mangé, mais bon. Je crois que si je peux déclencher le champ de bataille par là et avoir mes archers qui attendent sur la colline, ce sera nickel.
Vous, vous êtes tellement fatigué, vous allez rester là. Vous, arrêtez de courir, essayez de leur tirer dessus. J'ai personne dans la hutte là. Voilà, on va collecter au max. Camp de bûcheron, il n'y a personne. On va envoyer quelqu'un. Bon, ça traîne un peu quand même. Tu peux déclarer la guerre maintenant? Présence d'unité ennemie. Ouais. Non, spécialement parce qu'il y a des gens. Allez, on va tenter de les rattraper quand même. Bon, en attendant, on s'est placé. Oups, j'ai cliqué. Et vous, bon, visiblement vous voulez pas avancer, vous voulez juste tirer et rester sur place. Peut-être parce que j'aurais dit équilibré, bref. On est trop faible en... Ensuite, j'ai envie de leur dire de se reposer. On va dire que vous, vous continuez. Et les autres, ils vont se reposer. Normalement, il va sortir de la région, et puis voilà. Hein. Alors, l'efficacité remonte. Ok. Ah, ça redescend. Fatigue, cohésion, perte récente. Ils reviennent. Probablement me tirer dessus. Pause. Posez-vous. Ah. Ok, j'ai gagné. Très bien. Ah, il y a eux aussi. Je les ai oubliés. Donc, vous deux. Vous allez rentrer ici. Les autres, ils ont le temps de se reposer normalement. Les mecs sont toujours fatigués. Bon, c'est pas grave. On va laisser écouler un peu de temps. Nouvelle famille. Très bien, très bien. On est à nouveau à fond dans les familles ici. Mais je pense que c'est pas utile d'agrandir encore. Je pourrais m'accroître sans fin. Mais là, j'ai un peu peur... que même mes grands champs ne suffisent plus à nourrir tout le monde. Je vois bien que je suis assez léger en pain. Ici, oh là là, on a un stock de baies considérable. On a des sous, non, on n'a pas trop de sous. Il faudrait un comptoir commercial pour avoir des sous. Là-haut, on a des sous. On a de quoi manger pour 9 mois, ça c'est très bien. Il y a peut-être eu un événement que j'ai loupé où les gens n'avaient plus de quoi manger, ça pourrait expliquer que ce soit passé comme ça. Revendiqué par influence. Hop. Alors je ne sais pas où il va arriver. Le champ de bataille est ici. Je suppose qu'il vaudrait mieux... Alors, il y en a un là-bas. Je suppose qu'il vaudrait mieux aller s'installer là. Ça m'arrange pas d'avoir un champ de bataille en plein dans les arbres. Ça m'arrange pas non plus d'être en pente désavantagée par la pente. Allez, c'est parti. On est juste à côté du champ de bataille, on va se placer comme on le souhaite. D'ailleurs, en fait, je pourrais aussi vous dire que vous trois, vous allez vous placer par là.
Les archers, vous venez par là. Et trois unités par là. Hop. En supposant qu'il arrive de par là. Je sais pas s'il a une seule unité dans le secteur. Si oui, on va la massacrer. Pour l'instant, je n'en vois pas d'autres. Alors, il a l'air de bien vouloir choper mes archers encore une fois. Vous courez, je vous prie. Devrais les rattraper. Tir nourri. Allez, attrapez-les. Voilà. Du coup, ils ralentissent. Et là, ils sont mal barrés. Je sais pas d'où vont venir ces armées. Ça se trouve, il y a juste celle-là, il n'y en a plus d'autres. Mais ça m'étonnerait quand même. Nouvelle missile. Je ne répondrai pas. On les a explosés. Avec 3 rangs d'archers, ça aide. On va se positionner tout autour. Ou alors je fais remonter mes archers. Parce que... c'est là qu'on serait le plus haut par exemple. D'où qu'ils arrivent. Courte distance mais réduit. La réduit pour les tirs. Ah! J'avais pas ça. Vous êtes fatigué, pourtant vous courez pas. Bon, on n'est pas trop dans le champ de bataille. Par mesure de sécurité, je me dis que je vais quand même envoyer quelqu'un dans le champ. Qui me dise pas que j'ai perdu comme ça. Faut aussi les attendre. Maintenant, ne courez plus justement. Mettez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Ah, ils gardent la même distance en fait. Ah, c'est pratique dans la mesure où si j'ai déjà organisé mon armée et que je leur dis d'avancer, ils gardent la même distance entre les unités. Oh mince. J'ai encore cliqué à un endroit où je voulais pas. Allez, on accélère. S'il vient pas, il vient pas et je conquiers et puis voilà. Répondre à la missive. Non, mes revendications ne sont pas négociables. Je sais pas si ça peut augmenter mon influence ou pas. Ou m'en coûter peut-être. L'unité ennemie a été repérée. Ah! Ici. Ils sont très loin du champ de bataille. C'est pas grave. On va repositionner les archers par là, presque dans la forêt. Des unités ici, des unités ici, lui pour défendre par là, et lui il va rester dans la zone. Allez, roule. J'espère qu'il en a d'autres, sinon je vais m'ennuyer. Nouvelle missive. Ça ne m'intéresse pas. Ils sont plus efficaces parce qu'ils ont de l'expérience, c'est tout. Vous pouvez tirer vous ou pas? Non, vous n'avez pas de visibilité. Ah, parce qu'ils sont juste dans les bois.
maintenant ils ne sont plus dans les bois. On les a explosés. Ah. Les voilà qui arrivent à nouveau. Ils arrivent depuis les hauteurs, ça va pas forcément m'aider. Ils sont assez nombreux. On va un peu changer de direction. Qu'est-ce qui va pas? Vous êtes fatigué et vous êtes en attention. Donc halt. Tenez vos positions. Vous venez vous positionner là. Les archers. Essayez de monter un peu. Ah non, toi tu vas venir te positionner là alors. Bouh. Par là, on va être dans le mauvais sens de la pente. Mais bon. J'ai pas tellement de meilleures options. Ça dépend où est-ce qu'il va se placer exactement. Alors, on va pas se mettre les uns devant les autres. Alors, hop, revenez là. Ok, là on est bien positionné à mon avis. S'il y en a qui vont se refiler jusqu'à mes archers là. Vous reculez et courez. Et vous pareil. Ah là là, je vais me faire choper. Bon, c'est pas grave, j'ai une unité d'archers qui s'est fait choper. Venez leur taper dans le dos. À leur tirer dessus, on est assez efficace, ça tombe bien. On va tenter de décrocher cette unité d'archer. On peut leur dire de tirer à volonté. Ça va être plus efficace. À courte portée. Hop, non, pas de. Ok, vous avez réussi votre coup. Non, venez par là. Arrêtez de courir, ça vous fatigue, je le vois bien. Là, j'ai pas réussi à me décrocher. Ah, c'est bon. Rushez-les, on attaque. Vous devez leur tirer dans le dos, normalement. Et si ça se bat bien, j'ai une unité qui fatigue. Vous avez pas de visibilité. Montez. Vous allez aider de ce côté là. De ce côté là ils ont fui. On poursuit. Là ça va être remporté sans souci. Venez par là. Ah, vous avez touché ceux qui s'enfuient. Oh, ils s'enfuient donc ça va. Pas besoin de se presser. Ça leur prend du temps quand même. Ils ont 1% d'efficacité, moins 63. Corps à corps, ils sont vraiment trop nuls. Ici, c'est gagné. Tant mieux. Donc, il reste la bataille avec l'archer et ce sera fini. Ah, le champ de bataille a bougé. Je sais pas comment il détermine ce qui mérite d'être un champ de bataille ou pas. Pas mal de morts dans les herbes. On a gagné? Yep. Donc.
Les mercenaires peuvent repartir. Non, vous, vous allez là. Et vous, vous allez là. Enfin, ouais, chez nous quoi. Les champs, ça pousse. Ça pousse. Je me demande si je provoquerai pas une récolte rapide pour éviter d'avoir trop de saturation après. Genre, allez, hop. Une récolte précoce plutôt. Que rapide. Les gens sont très contents. La nourriture n'est pas assez abondante à mon goût. Donc ce grenier par exemple, on va leur dire qu'ils n'ont plus besoin d'aller chercher la farine. Si. On va dire qu'ils en ont besoin. L'autre grenier est vraiment très loin de la... de la boulangerie. Les personnes, je pense qu'ils ont une échoppe par là, ça leur demande beaucoup de chemin. Ah, une là aussi et une là. Ok, la chasse on peut reprendre. C'est vrai que j'ai plus personne. Tac tac tac. Sylviculture, ouais. J'imagine que c'est juste qu'ils coupent plus vite qu'on replante. Ils sont deux à couper. Il me reste deux régions. Ça tombe bien, il n'y a personne à nourrir. Là, on a un stock conséquent de nourriture. Ici, on n'est pas tellement large. En 9, on commence à être un peu large. Je veux dire, je paye beaucoup en dîmes aussi. Est-ce que j'ai des sensibles niveau 2 qui voudraient monter niveau 3? Non, parce que ils sont pas satisfaits de la taverne. Il y a des gens qui attendent. Vous voulez pas aller chercher du lin sinon? Alors, on croule sous les grands boucliers et sous les arcs de guerre. Les arcs de guerre, on est d'accord qu'on en vend. Ouais, on le vend à un prix ridicule, on va arrêter. On va arrêter d'en faire tout simplement. Menuiserie. Non, c'est pas eux. Armurerie. On va faire des casques. Casques, on en a pas des. Des 100 000. Atelier d'archerie. Hop. Satisfait. Il faut de la nourriture plus variée. Il va bien monter de niveau. Niveau 1. Il en manque l'approvisionnement à la taverne. Je vois, je vois. Nourriture, on est beaucoup trop léger. Oh là là. On va arrêter de payer une grosse quantité à la dîme. On va mettre 5% parce que je veux que ça continue quand même. Des brigands. Alors, s'ils viennent nous affronter par là, on va se positionner quelque part. Peut-être par là. Ah oui, alors sauf que c'est pas comme on a été déjà placé comme ça. Faites un truc comme ça plutôt. Allez, roule. Donc on a ratissé un champ. Je
pas fan de la productivité potentielle ici. Ici. Vous me le collectez, il est fini. J'ai perdu les brigands de vue. Ah, ça va me rapporter de l'influence, c'est génial en fait. Où est-ce que vous allez, vous, exactement? Je sais pas pourquoi quand j'ai fait déplacer à deux, parfois ils font des bêtises notables. L'idéal pour moi ce serait de les affronter dans la plaine, mais je pense que je vais pas arriver assez vite. Avec toutes mes unités, qu'on va se battre plutôt autour de la route. Bon enfin on peut toujours tenter. Est-ce qu'on demande pas de, on demanderait pas de l'aide à des mercenaires? Ça va passer avec mes troupes à moi, même si elles sont un peu fatiguées. On est à zéro. C'est une blague ça? Attendez, c'est une blague que vous me faites. On a de la nourriture en stock. What? Tu crois que je suis dans une autre région? C'est quoi le... Ah voilà. Bon, deux c'est toujours très très léger, mais... C'est quand même beaucoup plus rassurant. Alors là vous êtes en train de me faire la récolte. Je me rends compte que je suis quand même toujours léger en nourriture. Bien que j'ai fait des tonnes et des tonnes de potager, de poulailler. Depuis que les baies et la viande rapportent peu. Et les champs. Faut dire, je fais des champs de lin et de plein d'autres trucs que du blé. Ça a pas assez cru, on va essayer de faire monter. On aura une grosse production de... Donc là théoriquement, on a du blé, mais pas beaucoup. On a énormément de farine. Donc c'est la boulangerie qui traîne. Pourtant le pain a bien été distribué. Il y en a qui attendent. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? L'ouvrier est en train d'aller chercher de la farine. Positionnez-vous plutôt. Oh! Comme ça. Oups. Ah, elle crie. Elle a raison. Vous arrivez à tirer par dessus. Les archers ils peuvent plus rien faire. Je pense que c'est eux qui les empêchent de tirer. Changement de plan, on va les taper dans le dos. Allez, encore un peu. Ah mince, on affronte déjà des gens. C'est pas grave. Les archers ils peuvent tirer comme ça? Pas l'impression. Tous. Ah. Peut-être un phénomène de propagation.
Allez, vous revenez les gens normaux. J'ai un fossoyeur, mais fosse commune. Hop. Et dans l'église, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un aussi. Le prix des moutons est revenu correct. Tous ces gens qui reviennent. Juste avant la moisson, ça tombe bien. On peut pas faire de maçonneuse batteuse. Ça va avoir beaucoup de planches, puis j'ai activé les arcs et les autres machins. Hop. Alors labour, j'aimerais bien que ce soit labouré par un bœuf, s'il vous plaît. Là aussi. On va leur affecter une bête. C'est bon, ça laboure bœuf. Là, j'ai l'impression que ça laboure au bœuf aussi. Hop. On va semer. Le blé est beau, mais il a pas bien fini de pousser. On va avoir une Sauf si on est très début août, c'est possible. On va avoir une récolte insuffisante. J'ai mis quelqu'un à l'église et j'ai mis quelqu'un à la fosse commune. Donc les cadavres, c'est plus qu'une question de temps. Ils sont morts sur cette région-là, oui. Plein de chariots qui passent. What? Comment ça, la fosse commune a besoin de plus d'espace sur le marché? J'espère que c'est une blague. Vous revendez des morts ou quoi? Ici on a 6 mois, ici on a 22 mois, et c'est le combustible qui va faire défaut en premier. Ici on a 3 mois. Pas de combustible, mais on manque du reste. On est en train de récolter du blé. Why do I have to carry this alone? De laisser les champs de juste planter. J'ai pas tellement plus de monde à affecter. Aux fermes. Ça, manteau, chaussures, d'accord. Chaussures, j'en ai plus des tonnes. On va arrêter d'en échanger. Je sais plus où c'est lui. On va envoyer. Les arcs de guerre. Là ça va, c'est calme, on a suffisamment de nourriture pour l'instant. Et ça devrait continuer. Ils sont en train de labourer à la main là, j'y crois pas.
croyais avoir été clair sur le fait qu'on avait un buff pour labourer par truc, il y a encore des gens qui labourent à la main. Oh là là. C'est dans quelle région ça? C'est ici, ok. Ils ont migré relativement proche du camp de chasseurs, ça va aller. Alors, on a 2000. Je sais pas si j'attends 4000 et je rafle les deux dernières régions et puis on n'en parle plus. Ou si j'en rafle une directement. En tout cas, ce sera pour un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu.